C'est en 1930 qu'Arletty apparaîtra pour la première fois à l'écran dans La douceur d'aimer, un film introuvable. Et mon petit, je vous le répète, vous avez la voix trop grave. Et si... J'en ai assez. L'année dernière, c'était parce que j'étais trop grande. Après, j'étais trop maigre. Aussi rare soit-il, ce n'est pas le premier film français parlant. Les vrais premiers sont sortis fin 1929, mais avaient été tournés en Grande-Bretagne, preuve que nos studios n'étaient pas encore tout à fait au point. Découvrons tout d'abord les trois masques, réalisés par André Hugon. C'est l'écrivain public Théodore. Il voyage dans l'autre monde. Il rêve. Les deux autres films de fin 1929 sont La nuit est à nous, avec Marie-Belle, et La route est belle, avec Maddy Berry et Saturnin Fabre dans le rôle d'un professeur des bonnes manières, comme vous pouvez le constater. Achevons 1929 avec Le Requin, encore un film introuvable. Début 1930, on tourne Les aventures du clochard Pivoine avec Michel Simon, mais le film ne sortira pas. Ces grandes lignes, néanmoins, se retrouveront en 1932 dans Boudu, Sauvé des eaux, et en 1938 dans Belle étoile. Michel Simon en clochard, on frise le pléonasme. Un film qui n'est pas un fantasme, c'est La fin du monde d'Abel Gance. Film dans lequel il fait également l'acteur aux côtés de Victor Francen et Colette Darfeuil. Film dans lequel notre planète sera réduite en poussière. Ce nouveau télégramme nous informe qu'après l'apparition de la comète, on constate des phénomènes extraordinaires dans toute la nature et dans toutes les parties du monde. L'autre événement de ce mois de janvier 1930, c'est, je vais vous laisser deviner en regardant ces images. Des toits, d'accord, mais où sommes-nous? Dans quelle ville? Je vais être sympa, il s'agit d'un film de René Clair, et peut-être même son plus célèbre. En projet depuis Belle Lurette, à l'origine il devait s'appeler Musette, et de l'aveu même de son réalisateur, il sera un peu parlant. Un peu parlant, mais c'est déjà pas mal, car au même moment sort Le Collier de la Reine, présenté soi-disant comme le premier film français parlant. Or c'est faux, c'est toujours un film muet, sa bande-son ne comportant que des séquences musicales. Autre film sonore, lui aussi non parlant, le premier de ce bon Marcel Carné. Il s'agit d'un modeste documentaire d'un quart d'heure intitulé « Nos gens, Eldorado du dimanche ». En février, Charles Vanel est à l'honneur, en tant que réalisateur du film « Dans la nuit » et en tant qu'interprète dans Chiquet. Sans blague. Chiquet, un moyen métrage, pas moyen du tout. Au contraire, il est excellent. Il nous fait découvrir la Java et les mauvais garçons, les Apaches, comme on les appelait à l'époque. Chiquet. Yes. Chiquet. L'annonce 1,5, 1,50. Charles Vanel, encore et toujours en 1930, dans L'Arlésienne de Baron Célie.